Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo ménage, motivation ménage du vendredi soir. Donc, vous avez vu l'état de la maison. Comme d'habitude, je vous montre toujours l'avant. Donc, vous voyez dans quel état était la maison. Alors, je voulais pas laisser la maison dans cet état-là et aller dormir. Alors je me suis dit, motive-toi, vas-y, fais ton ménage vite fait, efficace, rapide. J'espère qu'en voyant cette vidéo, vous allez aussi être motivé comme moi. Si vous n'avez pas encore fait votre ménage, n'hésitez pas à vous lever et on va le faire ensemble. Donc vous voyez bien qu'il y avait de tout. Comme je vous disais, c'est vendredi soir, donc tout le monde était déjà rentré, avait posé ses affaires sur les escaliers. J'ai un petit panier, une petite panière, on va dire. Hein. C'est des cache-pots, en fait, que je laisse sur les escaliers. Ça me sert tout simplement à ne pas faire plusieurs allers-retours dans les chambres ou à l'étage, en fait. Je mets tout ce qui va à l'étage, qui ne devrait pas être au salon. Et soit moi ou la personne qui est disponible, qui monte, ramène tout. Et là, comme mes enfants n'étaient pas encore vraiment couchés, je les ai demandé de faire un peu le ménage avec moi. Comme ça, ça sera rapide. En tout cas, ça n'avait pas duré du tout. Et aussi, dans la vidéo, vous allez voir que je vais déballer le bissel. C'est la champeneuse. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où j'avais reçu mes fauteuils. Maintenant que j'ai changé la couleur de mes tapis, je suis passée au beige. Donc, j'avais besoin d'acheter cette champigneuse. Évidemment, j'ai regardé beaucoup de revues sur ça. Donc, j'ai acheté la champigneuse. Donc, je l'ai déballée aujourd'hui. J'allais le passer le soir. Mais quand j'ai entendu le son, j'ai dit non, pas possible. Pas possible. Du coup, je vous ferai une démonstration le lendemain matin. Je pense que vous commencez à me connaître. Je commence toujours de la droite vers la gauche. Non, j'exagère quand même, Il y a des jours où je commence de la gauche vers la droite. Hein. À m'entendre, on dirait que je suis une psychorigide. Non, pas du tout. C'est juste que souvent, je sais ce que je fais. Mais après, ça m'arrive hein, de commencer au milieu, de commencer à gauche, de commencer à droite. Hein. Et toujours les hautes surfaces vers le sol. Donc là, j'ai fini avec le bahut. Je vais utiliser des petites lingettes de chez Action qui font partie de mes favoris Action. Je vous présenterai ça dans l'une de mes vidéos. C'est vraiment des lingettes impeccables. Donc quand j'ai la flemme, souvent j'utilise beaucoup plus ces lingettes-là. Donc le bahut c'est fait, le meuble télé c'est fait, les petites étagères vite fait, c'est fait. Je vais passer au fauteuil mais je vais pas le faire en profondeur parce que le but c'est juste d'apaiser l'œil au réveil. Donc là j'arrange vite fait les plaids, j'arrange vite fait les coussins, je passerai pas l'aspirateur, j'enlèverai des plus gros morceaux que je vois sur le canapé. Vraiment je vais pas l'aspirer, j'attendrai demain parce que l'aspirateur fait du bruit et comme j'avais déjà deux de mes enfants qui dormaient déjà, donc j'ai choisi de ne pas utiliser l'aspirateur ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai dit je vais juste faire un ménage mais vraiment illico presto quoi, mais rapide de chez rapide. Donc vous voyez la table basse, elle a été débarrassée et nettoyée en un clin d'œil. C'était vraiment le but, c'était vraiment d'aller très rapidement. C'était juste histoire que ce soit nickel au réveil. Je sais que je me répète, mais j'adore la sensation de se réveiller avec un salon propre, une cuisine propre. C'est trop bien. Ça fait du bien. Alors donc là, j'ai fini avec la table basse. Je vais passer à la grande table. Everything is not enough.
Du coup, la table, elle est nettoyée, elle est nickel, prête pour être utilisée demain matin. Là, je vais nettoyer un tout petit peu les chaises parce que en mangeant, j'ai vu qu'il y avait, un tout petit peu de taches. Donc, je nettoie vite fait avec les lingettes de chez Action. Je nettoie, mais très, très vite fait les chaises, histoire juste que ce soit propre. J'adore mes chaises parce qu'elles sont très très faciles d'entretien. C'est en plastique, c'est super super facile à entretenir. J'en avais avant en tissu, mais c'était une galère. Une galère. Là, je vais ranger les petites chaussures qui traînaient au salon. Je vais les ranger dans le meuble chaussures qui se trouve dans mon couloir. Ensuite, je veux enlever vite fait, vite fait, vite fait, mais vraiment, comme je vous ai dit, très vite fait le tapis pour nettoyer le sol après. Comme je vous avais dit, j'avais décidé de ne pas utiliser mon aspirateur ce soir parce qu'il y avait déjà deux de mes enfants qui dormaient. Donc, j'ai utilisé un balai, à savoir que j'avais déjà fait le ménage dans la journée. Donc là, le balai, bah, je le passe vite fait juste pour ramasser un peu de poussière qu'ils ont ramené de dehors. Et voilà, la maison, elle est toute propre, elle sent bon. Donc demain au réveil, oh, le plaisir de l'œil. Oh là là, j'adore me réveiller avec une maison propre. Là, je me suis fait aider de deux de mes enfants qui m'ont aidé à faire le ménage vite fait. Donc du coup, comme je vous ai dit, je voulais vous présenter le nouveau joujou de la famille. C'est le Bicelle. C'est une shampooineuse de la marque Bicelle. Alors elle est fournie avec quelques produits. Vous allez voir en vidéo. Pour celles qui hésitent à l'acheter, donc je vous déballe, vous allez découvrir avec moi en fait, hein, ce qui se trouve dans le carton. Donc c'est très très bien emballé, hein. C'est super super bien emballé. Donc comme vous voyez, ils ont offert dans le carton deux produits. Donc un produit pour les tâches difficiles et un autre produit pour l'entretien en fait, on va dire. Donc là, vous découvrez le produit vraiment avec moi. Donc vous allez voir mes petits essais. J'ai
mis une pièce là où il fallait pas. Après, ma fille, elle m'a dit, mais non, maman, c'était pas là, il faut mettre de l'autre côté. Du coup, là, je me bats avec le truc et tout. Et je le mets de l'autre côté. Je mets la bonne pièce à l'emplacement qu'il faut. Donc voilà, c'était pas si difficile que ça. Il y avait deux pièces, deux, trois pièces en fait à placer en fait. C'était vraiment, vraiment pas trop difficile. Enfin, tout le monde peut le reconstituer en fait, hein. Donc là, je vous présente. Donc c'est, elle vient avec cette petite brosse là. Et il y a deux bacs, un où on remplit de l'eau et le produit. Le deuxième bac, c'est celui qui reçoit de l'eau sale. Je vais vous laisser un peu entendre le bruit et vous allez vraiment comprendre pourquoi je n'ai pas voulu l'utiliser la nuit. Je valide l'efficacité de cette petite machine. Vraiment, elle est super efficace. J'ai vu la couleur de l'eau. Par contre, je suis en train de me dire, faut que je trouve une alternative pour les produits parce que j'ai l'impression que ces produits vont coûter cher. Alors, je vais me débrouiller, je vais réfléchir. Si toutefois vous avez une petite idée ou que vous aussi vous avez cet appareil, dites-moi si vous achetez tout le temps leurs produits ou alors vous avez fait un système D. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça m'encourage. Des gros bisous!